La princesse Stéphanie de Monaco était de sortie ce week-end et elle a pu assurer le spectacle de par sa simple présence. En effet, celle que l'on connaît à l'état civil comme Stéphanie Marie-Elisabeth Grimaldi s'est rendue à un important événement qui avait lieu sur la place du Palais Princier à Monaco, samedi 4 mars 2023. Il s'agissait du lancement de la 32e édition du Rallye des Gazelles. On a ainsi pu apercevoir Stéphanie de Monaco posée devant les nombreux photographes présents, dans un style tout en sobriété qui lui sied à merveille. Mais la princesse, anciennement chanteuse, était loin d'être la seule invitée de prestige à ce moment immanquable de la principauté. On a ainsi pu apercevoir Dominique Serra, fondatrice et organisatrice du rallye, tout sourire, aux côtés de la fille cadette de Rainier III et de Grace Kelly. Mais c'était aussi le cas de Nadia Feta Alaoui, ministre de l'économie et des finances du Maroc, tout comme une célébrité davantage habituée au plateau de télévision. Effectivement, le danseur Jean-Marc Généreux, qui a acquis une grande notoriété grâce au programme de TF1 Danse avec les Stars, était également de la partie. On peut par ailleurs noter qu'il est cette année le parrain de cœur de la course. Ensemble, ces personnalités bien différentes ont pu donner le départ de la 32e édition du Rallye des Gazelles, intitulée cette année Rallye Aïcha des Gazelles. Le départ de l'ensemble des équipages s'est, quant à lui, déroulé à Nice.